sur le frère Ali, que celui qui a les oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Il est question de ce que l'Esprit dit à l'Église. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont appelées Église. Mais ce n'est pas ça l'Église. Alors Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il s'agit de l'église que Jésus lui-même a racheté, est en train de bâtir et d'achever la construction. Parce que celle qui sera enlevée, l'épouse de l'agneau, c'est l'église rachetée par l'agneau lui-même. Et qui doit être en parfaite harmonie avec ce que l'Esprit dit. Selon Apocalypse chapitre 22, au verset 17, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens Seigneur Jésus. Il doit y avoir une parfaite harmonie entre ce que l'Esprit dit et ce que l'épouse a, une parfaite harmonie. Ce sont les dispositions que le Dieu Tout-Puissant lui-même a placées, qu'il y ait une parfaite harmonie, une harmonie merveilleuse entre l'esprit et l'épouse. C'est pourquoi Jean le premier a parlé, lui qui a fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, celui-là même qui pouvait dire dans Jean 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le chapitre 3 de Jean, Jean-Baptiste écrit, il dit que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et l'ami de l'époux qui est à ses côtés et qui l'entend se réjouit des paroles de l'époux vers l'épouse. Il est venu pour frayer le chemin de l'époux et de l'épouse. Et bientôt le mariage doit avoir lieu. Parce que la fiancée est déjà trouvée. La fiancée a déjà les paroles de promesse. Ce n'est pas tout ce qui s'appelle l'église qui est réellement l'église. Ce n'est pas tout celui qui s'appelle enfant de Dieu qui est enfant de Dieu. Je crois que c'est Paul qui a écrit cela dans, je crois, Romain, que tout ce qui descend d'Israël n'est pas Israël. Mais dès que je retrouve ce passage, il y a raison à ce qu'on puisse se poser mille et une questions et vérifier toutes choses si réellement nous sommes dans ce que la parole de Dieu dit. Et que nous soyons ceux à qui cette parole a été adressée. Et cela est d'une importance capitale qu'on ne demeure pas simplement sous les déclarations, mais qu'on ait fait réellement l'expérience avec le Seigneur. Amen. Écoutons un peu ce que l'apôtre par l'Esprit a écrit au sujet Romains chapitre 9. Merci.
Dans Romains au chapitre 9, ici nous pouvons dire ceci, à partir du verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Que tous nous puissions dire Amen. 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 Parce que déjà dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 55, l'Écriture disait, ma parole ne retournera pas à moi à vide, sans qu'elle ait accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. De même manière, dans le naturel, que vous voyez la pluie tomber du ciel, et qu'elle ne peut pas retourner sans pour autant humecter la terre, faire germer la semence, donner le fruit à celui qui travaille et le pain à celui qui mange. Il en est de même de la parole qui est sortie de ma bouche. Et grâce soit rendue à Dieu. Parce que dans Ésaïe 59, il dit, voici les paroles de l'Alliance. La parole que je mise dans ta bouche ne s'éloignera pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni des enfants de tes enfants. Les paroles telles qu'elles sont sorties de la bouche de Dieu, elles doivent être retrouvées dans cette forme originale dans les véritables enfants de Dieu. Et Jean l'apôtre écrit, cette vérité sera avec nous jusque dans l'éternité. Si Esaïe a dit par l'esprit, il en est de ma parole qui sort de ma bouche, la vérité sort de ma bouche. De la bouche de Dieu ne peut sortir que la vérité. Et cette vérité est placée dans nos bouches et nous proclamons, nous donnons raison à Dieu que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Dieu avait promis dans Genèse chapitre 3 que la semence de la femme viendrait et qu'elle écraserait la tête du serpent. Combien de temps se sont écoulés avant qu'on nous voie la semence de la femme? 4000 ans se sont écoulés. Finalement, la semence était là sous la terre. La parole a été faite chair. Ce n'est pas dit que la parole soit restée sans effet. Il lui fut dit au sujet du ministère de Jean-Baptiste, il lui préparera un peuple bien disposé au Seigneur. Il fera la route du Seigneur notre Dieu. Au bout ou à la fin du ministère de Jean-Baptiste, un peuple bien disposé a suivi le Seigneur. Ce peuple s'est retrouvé dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Et il pouvait bien se souvenir de ce que Jean leur avait dit. Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu et d'esprit. Amen. Il est long expérimenté. La parole n'est pas restée une parole morte, mais la parole est vivante. Amen. La parole est efficace. Amen. La parole est puissante. Amen. La parole est esprit. Amen. Et vie. Amen. Si vous la croyez dans
dans tout votre cœur, que tout votre cœur, vous vivrez les effets de la parole. La parole a transformé l'univers. Nous lisons dans la Bible, dans Genèse, que la terre était informe et vide. Mais Dieu dit, quand Dieu a parlé, le tohu-bohu qu'il avait a été transformé. La parole est puissante. Quand Dieu pouvait dire que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut se séparent, et il y a une étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, juste la parole, et il y a eu les effets. Les eaux d'en bas se sont regroupées dans les océans, dans les mers, dans les fleuves, dans les rivières, dans les ruisseaux, et les eaux d'or sont montés, et à une certaine distance, et ils se sont arrêtés. Dieu n'a pas dit arrêtez-vous dans telle distance. Il a dit simplement que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut se séparent. Dans cette parole, la quantité était inclue. La distance entre les deux était incluse. Dieu est puissant. Qu'on ne raisonne pas avec la parole. Qu'on la croie. Qu'on l'accepte telle qu'elle est. Et vous allez expérimenter la puissance de la parole. Tel que Paul a écrit aux Romains, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit dans le message du salut de Dieu, appelez l'évangile, il expérimentera la puissance de la parole. Si l'assemblée l'a compris, qu'on dise tous amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. La parole a des effets. Gloire soit rendue à Dieu. Elle agit dans ceux qui croient. Vous connaissez tous bien cette parole de Paul des Thessaloniciens. Et puis nous allons retourner ici. Qu'on le lise un peu. Ce que Paul écrit dans 1 Thessaloniciens. Au chapitre 2, là il est écrit ces paroles puissantes qui doivent encore être ancrées, gravées sur nos cœurs. Le verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 2. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Ici aussi à Orléans, vous l'avez reçu. Amen. Non comme la parole des hommes. Non, nous l'avons pas reçu comme la parole des hommes. C'était pas la parole de Branham. C'est pas la parole de Fofoi. C'est pas la parole de Fofimé. C'est pas la parole d'Inodie Bokapo. C'est pas la parole de Frère Elie. Vous l'avez reçu comme étant véritablement la parole de Dieu. Amen. Et si vous la recevez comme étant véritablement la parole de Dieu, remarquez ce qu'elle doit faire. Elle agit en vous qui croyez. Dans tous ceux qui ont reçu notre parole comme étant véritablement parole de Dieu, elle ne doit pas les laisser dans l'état où ils étaient.
ekotika bango te ndenge kutela bango. La parole est toi étrangissant. Il avait signé le constat la mosala. Et Paul pouvait écrire au Corinthiens. Vous êtes manifestement. Bino na polele boye mozali. Une lettre écrite par notre ministère. Bokanda boye mosala misa boke yekoma. Non avec de l'or. Et comment est mon ama il est comme le. Mais par l'esprit de Dieu. C'est là mon limo na nzambe. Mais bien aimé. Ceux qui se comportent indifféremment de la parole, ils n'ont pas reçu notre lettre. Ils n'ont pas reçu notre parole. Parce que notre parole n'est pas la nôtre. Parce que nous ne parlons pas de notre propre chair. Nous parlons de ce que nous avons reçu du Seigneur. Et cela est vérifiable. Chacun peut le lire. Et il peut avoir la certitude de par lui-même que ce que j'ai écouté, ce ne sont pas les pensées ou les volontés des prédicateurs, c'est la parole véritable de Dieu. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. La parole qui demeure éternellement. Oh, que je relise encore ce verset. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Et c'est qu'en recevant la parole de Dieu, que nous, il n'était pas le seul à porter la parole. Il reconnaissait qu'il avait des hommes avec qui il a porté la même parole. C'est comme dans le ministère présent. Il y a un serviteur fidèle et prudent. Mais il y a aussi d'autres serviteurs prudents et fidèles qui distribuent la même parole. Car Jésus le Seigneur lui-même, il avait pris du pain. Il avait pris du poisson de la main d'un jeune garçon. Et il a multiplié les pains. Et c'est lui qui a donné aux 12. Et quand les 12 ont distribué, c'était le même pain. Est-ce que vous saisissez? Le même pain qui était passé dans les mains du Seigneur. Et c'est ce qui a été distribué. Et quand nous lisons les évangiles, après la première distribution, que le peuple ait mangé, il y avait encore le reste. Et le Seigneur a dit, ramassez le reste, remettez-les encore dans les corbeilles, là où il y a l'action de Dieu. La parole est abondante, elle est toujours présente. Le peuple peut toujours manger. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Ceux qui ont déjà visité les fermes, vous verrez que quand le berger a fait passer le troupeau dans une certaine superficie de son pâturage, après un bout de temps, il déplace le troupeau, il l'emmène dans l'autre endroit pour permettre à ce que là où il n'y avait rien, il y a encore de nouvelles pousses qui sont. Mais quand le troupeau s'est déplacé, c'est comme s'il n'y avait rien, il n'y a plus rien. Mais il y a une source en bas. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Nous ne manquerons jamais du pain. Nous ne manquerons jamais de lui. L'Esprit sera toujours avec nous pour nous révéler la parole. Et nous pouvons louer le Seigneur parce que le même Saint-Esprit qui a révélé la parole à Paul, qui a révélé la parole à William Branham, qui a révélé la parole à Walt Frank, c'est le même Saint-Esprit qui nous révèle la parole. À tel point que si Paul ressuscitait ce soir, Pierre ressuscitait
ressuscite. William Branham ressuscite. Ils entrent dans l'assemblée. Ils écoutent notre prédication. Ils se réjouiront. Mais c'est ça. C'est ce que nous aussi nous avions reçu. Louez soit le nom du Seigneur. Et retournons dans Romains chapitre 9. Mais bien aimé, la parole a son effet. Et nous lisons ainsi la suite. Car nous sommes au verset 6. Maintenant, la dernière partie. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Alléluia. Amen. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Le même Paul avait déjà dit dans Romains chapitre 2, ces paroles que vous connaissez très bien, ici il est dit dans Romains chapitre 2, Romains 2, on peut remonter jusqu'au verset, pendant que je trouve un bon, là on peut le lire directement. Romains chapitre 2, il est dit ceci. On peut commencer même à partir du verset 16. Où gagnons le temps? Le verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Ça, c'est amen. Amen. Ce n'est pas celui qui en a le dehors. Et la circoncision, ce n'est pas ce qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est intérieurement. Amen. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas celui qui a les apparences. Il doit l'être intérieurement. Aujourd'hui de même, combien de personnes jouent à la religion? Ils disent appartenir à un certain groupe chrétien. Mais ce n'est pas ça qui fait de lui le chrétien. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 3, au verset 3, que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. C'est le chemin obligé de nous tous pour faire partie du royaume de Dieu, pour faire partie de l'église rachetée par le sang. Chacun de nous doit faire l'expérience de la nouvelle naissance. Il doit recevoir la semence parole de Dieu dans son cœur. Pas dans la tête, mais dans le cœur. C'est là où le Seigneur veut placer sa parole. Et qu'est-ce qui va devant se passer? Quand la parole est semée dans le cœur, l'esprit vient couvrir la parole. Et l'esprit produit la nouvelle essence. Alors, dans tous ceux qui ont reçu la parole dans leur cœur, 2 Corinthiens 5, verset 10, c'est devenu une réalité. Maintenant, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors chacun doit se poser la question.
Est-ce que ma vieille vie est-elle déjà crucifiée avec Christ? Parce que c'est clair dans ce passage-là que ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Qu'on les lise ensemble avec vous avant de retourner dans Romains chapitre 9. 2 Corinthiens au chapitre 5, et c'est un passage bien connu ici au verset 15. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 directement. Si quelqu'un, si c'est une condition, il faut que nous puissions déjà tous avoir dépassé cette condition. Ici, je dois considérer comme si tous sont déjà en Christ. Mais celui qui n'est pas encore en Christ, il a la possibilité ce soir d'entrer en Christ. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, pas dans une église d'abord, mais en Christ, qu'est-ce qui est dit de lui? Il est une nouvelle créature. Point. Les choses anciennes sont passées. Voici. Tout maintenant. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ceci n'est possible que pour ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça dans le plan de Dieu. On doit entrer par là. Non pas des apparences extérieures. Oh, on chante bien avec une mélodie d'ange. Ça ne veut rien dire si le corps n'est pas converti au Seigneur. Il faut qu'il y ait une véritable conversion du cœur. Le vieux chemin doit être abandonné. On doit s'engager dans la route nouvelle que le Seigneur a tracé pour nous. Il a frayé une route nouvelle pour que nous puissions avoir une nouvelle marche. Et Paul l'a aussi dit en rapport avec nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous sommes dans Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6. Ici nous lisons d'abord Romains 3. On a beaucoup insisté sur Romains 3 le mardi passé. Et nous voulons prendre un passage rapidement en rapport avec nous qui avons été baptisé, qui était la suite normale de notre conversion à Jésus. Il est dit ceci dans Romains 6, à partir du premier verset. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse est loin de là. Nous qui sommes morts au péché, c'est-à-dire à l'incrédulité, à la désobéissance. Comment vivrions-nous encore dans l'incrédulité, dans la désobéissance? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions Totambola en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. En effet, si nous sommes une même plante avec lui, en conformité avec sa mort, nous serons aussi une même plante avec lui, en conformité avec sa résurrection. Amen. Ça c'est oui et amen.
Amen. Je suis oui. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 11. Et si vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme regardez-vous comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ, loué soit le nom du Seigneur. Ceci est une importance capitale pour l'expérience de chacun de nous. Alors, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas forcément Israël. Non. Il est dit ceci, nous sommes revenus à Rome 9 pour être sa postérité. Ils ne sont pas tous ses enfants. Aujourd'hui, beaucoup se réclament être enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas forcément enfants de Dieu. C'est leur déclaration. Chacun peut déclarer ce qu'il peut. Mais il faut que ce soit vérifié que ce qu'il dit. C'est ce qu'il est réellement. Ou sinon ce sera malheureux. Comme il est écrit au sujet de faux apôtres. Apocalypse chapitre 2. Tu as reconnu ceux qui se disaient être apôtres et qu'ils ne l'étaient pas. Et tu les as trouvés menteurs. Je te loue, tu les as reconnus. Non, moi, pas, tu as reconnu ceux qui se disaient être apôtres. Mais aujourd'hui aussi, beaucoup de gens, ils se disent être enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire forcément qu'ils sont enfants de Dieu. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité. Mais qui était Isaac? Il était le produit de la promesse de Dieu. Mais qui sommes-nous? Galate 4, verset 26 à 28. Comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse. Croyez la parole de la promesse. Croyons la parole de la promesse. Ils reçoivent l'esprit promis. Et l'esprit promis doivent les conduire dans toutes les vérité de la parole. Alléluia. C'est pas nous qui avions inventé Malachie 4. C'est pas nous qui avions inventé Matthieu chapitre 17. Au verset 11. C'est pas nous qui avons inventé Marc chapitre 9. Verset 12. C'est pas nous qui avions inventé Acte chapitre 3. Au verset 19. Ce n'est pas nous qui avions inventé Matthieu 24. Verset 45 à 47. Ce n'est pas nous qui avions inventé Ephésiens 4. Ce sont des vérités bibliques. Et l'Esprit nous a conduits dans cela. Quand on va Esaïe, il dit, mon peuple est enfermé dans des cachots. Il est enfermé dans des prisons. Et personne ne dit, restitue. Mais il est aussi écrit. Comme il n'y a personne qui dit restitue. Joël chapitre 2. Je restituerai. Je restituerai. C'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi dans ce temps, il était obligé de tout nous restituer. D'ouvrir toutes les prisons. De briser toutes les portes des cachots. Pour que nous puissions sortir. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Il nous a libérés d'abord. C'est la puissance des ténèbres. Ça, chacun doit passer par là. Et il nous a libérés de la puissance des dénominations.
Ce sont des puissances qui gardent les gens derrière leurs principes. Et ils ne veulent pas avancer dans les vérités de Dieu. Mais le Seigneur a conduit les véritables croyants depuis la réformation dans les vérités en vérité. Ceux qui ne voulaient pas marcher avec l'Esprit, ils étaient morts là-bas. Alléluia. Mais la vérité a avancé. La vie a fait son chemin. Comme dans une plante. Quand les deux feuilles poussent, la vie est encore dedans. Tout le monde apprécie le champ. Mais ce n'est pas ce que nous attendons. Mais nous devons le garder en ce temps-là. Mais plus les années passent, la vie avance. On doit avancer avec la vie. Et on remarque que les deux premières feuilles sont sèches. Elles sont là-bas, attachées à la tige, mais séchées. Mais on les laisse là. On ne les dérange pas. Mais il n'y a plus de vie. C'est une forme extérieure. Mais la vie a déjà avancé. Et la vie arrive jusqu'à la floraison. On ne doit pas déranger les choses. Et toutes les premières choses n'étaient que des supports pour que la vie puisse avancer. Mais à un moment donné, la vie quitte la floraison. La vie est dans la semence. Parce que nous voulons la semence telle qu'elle avait été semée. Et à la fin, toute la tige a séché. Toutes les feuilles ont séché. La vie est concentrée dans le grain à tel point que la balle doit éjecter la semence. À un moment donné, on ne va plus nous supporter. Mais nous partons avec la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Eux sont restés dans le formalisme. Frères et sœurs, nous vous en supplions, ne restez pas dans le formalisme. Marchons, avançons avec la vie. Juste à ce que nous passions de la foi à la vue, de la terre vers le ciel. Alléluia. Amen. Et Dieu a son chemin avec nous. Alors il est dit en Isaac, tu auras une postérité nommée de toi. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme sa postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Et de plus, arrêtons-nous d'abord là-bas avant de continuer. Il dit, l'enfant de la promesse, celui qui sortira de toi, sera appelé ta semence. Et nous devons retourner dans Genèse. Et ici nous avons encore une information. Dans Genèse chapitre 25, Genèse 25, il est dit ceci. Verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Keturah. Et lui enfanta Zimran. Et moi, si on va botter la pièce d'Imra, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak, Eshua, Jokshan engendra Seba, et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashuriens. Ainsi de suite, ça ne veut rien dire. Tout ce qui ne descend d'Israël n'est pas Israël. Et il est dit, mais trois versets, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il y fit des dons aux fils de ses compagnons.
concubines. Et tant qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Ézéchiel. Il venait de l'Orient, dans le pays d'Orient. Alléluia. Les autres ont eu des dons. Mais tous les biens d'Abraham, c'est Isaac. Que les autres se contentent des dons. Mais nous avons tous les biens de la maison de Dieu. Nous sommes les héritiers de Dieu. Et les co-héritiers avec Jésus-Christ. Ne pouvons-nous pas nous réjouir à cause de cela? Ne pouvons-nous pas nous réjouir? Héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Abraham a donné tout ce qui est Isaac. Tout. C'est une grâce. Aussi qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans toute la vérité. Que les autres se contentent des dons. Parce qu'ils parlent la langue. Parce qu'ils prophétisent. Parce qu'ils prient pour les malades. Matthieu chapitre 7. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Qui entreront dans le royaume. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ne font la volonté de Dieu que ceux qui sont dans la parole de Dieu. Quiconque ne demeure pas dans la parole, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce qu'il nous a gardés dans sa parole. Demeurons dans la parole. Et nous verrons les bénédictions qui accompagnent ceux qui gardent la parole. Et il est dit ceci dans Romains 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah. Et Sarah. Pas Ketura. Ketura. Pas Agar. Sarah. Sarah. Aura un fils. De plus. Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Sans dépendre des œuvres. Oh frères et sœurs, ne pouvons-nous pas louer et rendre grâce à Dieu sans cesse pour l'élection et la prédestination? Amen. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Sans dépendre des œuvres, mais de la seule volonté, de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera sujeté au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'aime Jacob. Sentez-vous heureux parce que Dieu vous a aimé. C'est parce qu'avant la fondation du monde, Dieu savait que tu accepterais la parole. Et c'est alors qu'il pouvait te prédestiner. Il pouvait faire l'élection. Sachant d'avance que celui-ci accepterait ma parole, je vais garantir son salut. Je vais garantir son chemin. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein.
Car tous ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi justifiés. Il les a appelés, justifiés, glorifiés même. Paul nous voit déjà dans la glorification. L'œuvre est achevée. C'est ce qui fait en sorte que la parole de Dieu à nous ne nous laisse pas oisifs. La parole de Dieu à nous nous pousse. Quel qui est écrit dans Corinthiens, l'amour de Christ me pousse. Voilà. C'est par amour que nous servons le Seigneur. C'est par amour de Dieu que nous faisons ce qui nous commande. L'amour de Dieu nous pousse. Il ne nous laisse pas sur place. Il nous pousse à aimer les choses qu'il a disposées pour nous. En est-il ainsi pour chacun de nous? En est-il ainsi pour chacun de nous? Mais bien aimé, nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Sans dépendre des hommes, mais de la seule volonté de celui qui appelle. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Il y a une église prédestinée. De Nicole, Rebecca était prédestinée à Isaac. Nous retournons dans Genèse. Et là nous lisons ceci. N'oubliez pas, il est question de l'église qui doit écouter ce que l'Esprit dit. Car l'Esprit ne parle pas à tous, il parle à ceux qui appartiennent à l'église. Ici dans Genèse, nous pouvons lire ceci rapidement. Genèse chapitre 25. 24 plus tôt. Ici dans Genèse chapitre 24. Nous pouvons lire ceci. Au verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il est dit au verset 14, quand la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et tu répondras, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, sois celle que tu as destinée. Il y a une élection et une prédestination. Amen. Amen. Isaac était le type de Christ. Fils de la promesse. Son épouse aussi doit être prédestinée comme lui était prédestiné. Amen. Et lui comme lui était élu. Et il a dit ceci. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Rebecca était belle de figure. Mais qu'est-ce que nous avons à voir avec la beauté de Rebecca? Ici dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous montre comment l'épouse de Jésus-Christ devrait être sans tache. Elle devait être sans ride. D'une beauté exceptionnelle. Et là nous pouvons lire verset 26-27. Christ s'est donné lui-même pour son église afin de la purifier par l'eau de la parole. Amen. De la laver, de la sanctifier afin de se présenter
à lui-même une église sans tâche. Pas deux églises. Christ n'a qu'une seule église. Éphésiens 4:24-25. Il n'y a qu'un seul Dieu. Une seule foi. Un seul Seigneur. Un seul baptême. Un seul corps. Si vous le croyez, dites amen. On doit faire partie de ce corps-là. Qui est l'église de Dieu vivant. Une seule foi. C'est la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Un seul baptême. Parce que lui, c'est seulement le bâton qui était administré à la Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ. C'est le baptême qui était administré dans le chapitre 8. Là où Jean est arrivé, là où Philippe était. C'est le baptême qui était administré dans le chapitre 10. Que ce soit dans le chapitre 19. Et dans toute la Bible. Même Paul. Dans Acte 9. Baptisé au nom du Seigneur. C'est le seul baptême qui est encore valable aujourd'hui. Alors nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Et nous avons revêtu Christ. Christ est notre vêtement. Gloire soit rendue à Dieu. Rebecca était belle de figure. Elle était vierge. L'église qui sera enlevée sera enlevée dans une pureté et de virginité totale. Dans l'église du Seigneur, aucune autre semence étrangère ne sera. Aucune interprétation. Dieu seul est son propre interprète. N'est-ce pas une grâce que Dieu nous a fait nous fait partie de cette église-là? Ce ne sont pas les inventions de prédication. Mais l'Esprit nous conduit de parole en parole. Tout devient clair. Alors Paul écrit, 2 Corinthiens chapitre 11, si vous pouviez bien me supporter, supportez-moi. Je dois parler comme un homme fou maintenant. C'est parce que je suis jaloux. Jaloux de vous. De la jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Et je voudrais vous présenter à lui comme une vierge pure. Loué soit le nom du Seigneur. Pas une prostituée. Est-ce que Christ viendra prendre une prostituée? Christ viendra prendre une vierge. Et l'église doit être pure. Marie pouvait dire, je ne connais point d'homme. Et l'église du Seigneur aujourd'hui ne connaît pas la parole des hommes. Elle ne connaît que la parole de Dieu qui agit dans tous ceux qui croient. Loué soit le nom du Seigneur. Et il est dit ceci au verset 27. En disant, loué soit le Seigneur, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, le Seigneur m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Le Seigneur m'a conduit. Oh, le Seigneur ne nous a-t-il pas conduit jusque-là? Il nous a conduit jusque-là où la parole est proclamée. Là où les promesses sont proclamées. Là où nous pouvons réaliser que ce que les prophètes avaient annoncé est arrivé dans notre temps. Allez dans tous les groupes charismatiques et dans les groupes pentecôtistes. C'est un évangile social. C'est un évangile de prospérité. Pour qu'on puisse avoir un bien-être sur la terre. Même si tu es de
d'un bon point sur la terre. Et que tu as tout l'argent. Plein dans toutes les banques du monde. Et qu'on te donne tout en l'ayant. Alors comme si cela ne suffisait pas. On ajoute. Même Paris est à toi. Paris nous la cabelle. Mais si ce n'est pas suffisant, Lyon est à toi. Marseille est à toi. Marseille. Limoges est à toi. Limoges. Et tous les pays est à toi. Dis-nous, ça ne suffit pas. Toute l'Europe est à toi. On t'ajoute encore l'Asie. On t'ajoute encore l'Amérique. On te donne tout. Et après, tu constateras ce que tu ne peux pas jouir du monde entier parce que ton corps se fatigue, ton esprit faiblit. Alors Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Frères et sœurs, nous avons reçu le plus grand cadeau. Amen. Oui. Que le monde ne peut jamais nous donner et qui ne peut même pas nous ôter ce que nous avons déjà reçu du Seigneur. Satan ne peut pas nous ôter cela. Si vous le croyez, dites amen. La vie éternelle, il ne peut pas me l'ôter. Il peut me frapper de maladie, pas de problème. Il peut même me tuer, mais il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. S'il me tue, il dit, oulala, tu me rates pour toujours. Tu ne feras plus souffrir. Une chose est certaine, je ne serai pas longtemps dans la tombe. Parce que bientôt, mon rédempteur, qui est vivant, il va venir. La trompette sonnera. Le cri de la voix de l'archange. Le cri de la trompette. Et le Seigneur lui-même, le vainqueur de Golgotha, viendra. Et il me prendra. Mon corps ressuscitera. Non pas encore corruptible, mais encore incorruptible. Non plus encore mortel. Il est dit dans Corinthiens 15, le corps est semé infime, mais il ressuscite plein de force. Si le diable t'a arraché un œil, un doigt, pas de problème. À la résurrection, tous les membres complets, un estomac complet dans lequel nous pouvons manger le poisson. Alléluia. Nous pouvons manger le miel, mais nous disparaissons avec notre poisson, avec notre miel. Le poisson est naturel, mais le corps, c'est le corps de résurrection. Et il est écrit, quand l'incorruptible, quand ce corruptible aura revêtu les corps, ce mortel aura revêtu l'immortalité. C'est-à-dire, là, il est à l'intérieur, mais ici, tout autour, il y aura un mystère. Parce que nous disparaîtrons et nous paraîtrons. Et quand à la résurrection, comme il est écrit, c'est un éclair de l'œil. Amen. Alléluia. Et le monde ne va plus nous voir. Ils vont seulement constater. Quand les agents de EDF Suez vont venir, ils disent, mais la facture électronique, nous appelons maintenant le ministère des services. Ils demanderont aux voisins. Mais monsieur Zarawoski, qui vivait ici, il dit, mais oui, ça fait un temps que nous le voyons. Nous, on n'a plus rien. On va casser la porte. Ils casseront la porte. Ils trouveront le frigo tel qu'il est. Ils trouveront toutes choses. Et même si l'agent était déjà sorti de la banque, et qu'il était au chevet des lits, ils trouveront l'argent de toutes les manières. On ramène ça dans la caisse publique.
qu'est-ce que ça va, à quoi cela va leur servir? Parce que la tribulation les attend. Les fléaux n'attendent que nous puissions partir. Alors ceux qui resteront, ce sera terrible. C'est ça. Ils constateront seulement notre facture. Bon, facture de mission. Mais nous, nos dettes ont été payées. C'est ça. Voyons la mission de ceci est foutement. Vous me réjouissez. Pourquoi c'est vraiment rien? Nous irons sans dette. C'est ça. C'est la promesse. Dieu sait comment les choses se passent. Mais qui votre confiance à le Seigneur? Tiens, il fait un colo. Retournons un peu ici. Et il est dit déjà par cette image. Et nous lisons ceci. Le Seigneur m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. N'avons-nous pas aussi été conduits dans la maison des frères de ces deux époux? Nous l'avions vu dimanche, non? Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui sont autour de moi, qui écoutent ma parole, qui sont dans ma volonté. Je suis heureux. Même si je viens à Orléans, j'ai des frères. Les frères du Seigneur, à cause de l'amour de Jésus, ils n'ont pas un effort à faire pour m'accepter. Ils n'ont aucun effort à faire. Est-ce que tu as fait un effort pour accepter tes frères? Tu ne les as même pas choisis. Les amis, on les choisit. Mais les frères, on est nés avec. Même s'il est fou, je ne supporterai pas qu'on l'insulte. Parce que c'est le sapin. C'est mon frère. Qu'il lui soit livré une clochard. C'est mon frère. Et il est dit dans les Hébreux. Dieu n'a pas eu honte d'être appelé notre Dieu. Alléluia. Il n'a pas eu honte de devenir notre frère. C'est une grâce. Et le Seigneur nous a conduit là où il y a la véritable fraternité. Pas la fraternité des francs-maçons ou des rose-christiens. La vraie fraternité, elle est en Jésus-Christ. Les francs-maçons ne croient pas. Ce sont des sorciers. C'est ça. Pour adopter l'un d'eux, il faut qu'il fasse la cérémonie en bandé les yeux. Un seul soulier. Un seul cercueil. Des crânes là-bas. Et une Bible. Ce ne sont pas tous ceux qui ont la Bible qui croient ce qui est écrit. Est-ce que vous saisissez un peu de quoi il s'agit? Alors ne vous arrêtez pas sous les apparences. Entrons en profondeur. Ce ne sont pas des croyants. Un croyant ne fera pas de cérémonie de cercueil et de mort. Il ne voit jamais les morts. Il croit dans le Seigneur ressuscité, le vivant. Et qui nous a dit, comme je vis, vous vivrez aussi. Nous vivons par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et nous lisons encore ceci. Gloire soit rendue à Dieu de ce que nos pères ont été conduits au bon endroit. Verset 31. Et il lui dit, viens. Yaka. Toi le béni du Seigneur. Pourquoi resteras-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Nous aussi nous sommes les bénis du Seigneur. Tous ceux que le Seigneur conduit les pas sont bénis. Parce que le Seigneur nous conduit à la vérité. Amen. Et nous sommes au verset 44, là où il est dit, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que le Seigneur a destinée au fils de mon Seigneur. Éphésiens chapitre 4, chapitre 1er, au verset 4. Exalté soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. C'est toute sa bénédiction.
position dans le lieu céleste en Christ. Oh lui, il nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Notre sainteté est une résolution de son plan. C'est ça. Il nous a élus pour que nous soyons saints. Il est irréprochable devant lui. Alors, rendons grâce au Père. Il nous a élus pour que nous célébrions la louange de sa grâce. Dont il nous a favorisés dans le bien-être. Rebecca destinée à Israël. Nous destinés à Jésus-Christ. Où est-ce que la femme du premier Adam était tirée? Moi aussi, Adam et Libosso, je vois ma kawapi. La femme du premier Adam. Moi aussi, Adam et Libosso. Elle était tirée du premier Adam. Elle était souhaitée en lui. Azara Katina Adam. Et le côté était ouvert. Elle était tirée de lui. Elle était retournée à lui. Et Adam a dit: voici cette fois-ci, celle qui est hausse de vaisseau, chère de ma chair, on l'appellera Isha, parce qu'elle est issue de Ish. C'est le même bloc. Où étions-nous? Nous étions en Christ. Amen. Et quand Christ a entré dans le monde, il a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit: voici, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Et dans cette volonté, il est monté à la croix comme le premier Adam, dans le corps de chair. Parce que dans Genèse, Ève ne pouvait pas être manifestée. Il fallait que Adam soit dans un corps, et dans un corps de chair. Là, Ève a été manifestée. Alors Christ, qui est entré dans le monde, Jésus est né à Bethléem. Naissant à Bethléem, il est monté à Golgotha. Et à Golgotha, on a pressé son côté. Et l'épouse devrait sortir. Alléluia. Elle ne vient que de lui. Comme lui était la parole, l'épouse doit être une épouse parole. Ne pouvons-nous pas nous réjouir? Tout le plan était déjà décidé. Et nous sommes issus de lui. C'est lui qui est issu de la parole. Ne supportera jamais les interprétations. Ne supportera jamais les dénominations. Si vous êtes issus de la parole, vous croirez chaque parole. Chaque parole est à vous. Même là où Paul écrit, 1 Timothée chapitre 2, que la femme écoute l'instruction en silence. Toutes nos sœurs se réjouissent. Il dit: oh, tu as déjà pris notre responsabilité. Si nous ne pas d'autre chose, on est dans d'être. Il dit: non, en silence, je me tiens à ce que. C'est une bonne position. Et c'était le même madame qui vous a été prédestiné pour que vous soyez en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Nos soeurs disent: gloire à Dieu. Mais toutes les évoluées des églises des hommes. Dis: non, moi j'ai un diplôme. Je tiens des conférences à l'université. C'est à l'université. Mais dans l'église, je viens. Pas question. Pourquoi ça l'est amené, moi, la tête? Parce que quand tu liras, par exemple, 1 Timothée chapitre 3, que le diacre soit marié d'une femme. Mais toi, tu te fais diaconesse. Mais comment tu vas lire ça? Parce qu'on n'a pas le droit de changer la parole. C'est ça.
Je lui dis non, moi je non. Que l'ancien et le diable soient mariés. Mais c'est la toi. Tu y es femme. Alors la femme que tu vas épouser. Moi si on la wana. Alors tu deviens lesbienne. Comme lesbienne. Et dehors lesbienne. Bah lesbienne aux alibanda. Exclu du royaume. Bah le monde a mis la bocon. Tu vas recontacter. Voilà. Ça c'est la grâce que Dieu a fait. Moi j'ai voulu te m'appeler ça malgré du soir. Dieu les a conduits là où on respecte la parole. Tiens mais tu ne pas il le va dire comme Miama. Le salut, nous l'avons tous par la foi dans l'œuvre de Golgotha. Mais commence te suivre à mon Golgotha. Mais tu es un blessé de l'ordre. L'homme à sa place. La femme à sa place. Toutes choses à sa place. Mon Dieu. Parce que toute chose doit être restaurée. Et toute chose est dans la restauration. Nous sommes en train de nous vérifier. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Si ce n'est pas ça, on doit se conformer. Parce que l'épouse et l'esprit doivent être en harmonie parfaite. Et nous lisons ceci. Verset 50. Là-bas, Bethuel répondit et dit, c'est du Seigneur que la chose vient. C'est du Seigneur que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca devant toi. Prends Eva. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Comme le Seigneur l'a dit. Nous aussi, épouse. Fils de Dieu, épouse l'agneau, comme le Seigneur l'a prédestiné. Amen. Verset 56, il leur répondit, ne me retardez pas. Puisque le Seigneur a fait réussir mon voyage, laisse-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. N'est-ce pas aussi le cri de notre cœur? Qu'on nous laisse partir vers notre Seigneur. Ne voulez-vous pas aller dans la gloire? Amen. Ne voulez-vous pas que le mariage soit là? Amen. Remarquez quand une fille est fiancée, la parole de promesse est déjà là. Elle ne fait pas qu'on la retarde dans la parole. Dis écoutez, laissez-moi mon cœur va boum. Je veux aller plus près de mon Seigneur. Elle ne veut pas qu'on la retarde. Et rien ne peut l'arrêter. Parce qu'on a réveillé l'amour en nous. Et l'amour de Christ n'a-t-il pas été réveillé en nous? Et l'amour qu'a-t-il pas été réveillé? Amen. Qu'on nous laisse aller vers le Seigneur. Nous voulons nous en aller. Mais avant de partir, on doit être prêt. On doit être en accord avec la parole. Que rien ne nous retarde sur la terre. Et côté cannabis, sur le alors là-bas, Bethuel dit, compose la question à la fille. Veux-tu la mettre? Bethuel va dire, toi tu la mettrais pas la moi. Elle a dit oui. Cela aussi a été notre position. Quand Christ nous a été annoncé, le cri de notre cœur. Oui, io. J'accepte la dîme. Oui, io. Je vais aller avec lui. Oui, io. J'irai au ciel. Mais tu l'as jamais vu. Mais la description. Par cet homme qui est venu. Me fait voir vraiment. Même si je l'ai jamais vu. Il est à moi. Alors la contre écrit. Lui que nous aimons. Sans l'avoir vu. Par qui nous croyons. Sans le voir encore. Quand nous reverrons. Oh frère. Ce sera comme c'est écrit là-bas. Isaac a quitté la maison de sa mère. Il était dans les champs. Il regardait. Eliezer a conduit Rebecca. Et de loin. Rebecca a levé les yeux de loin. Isaac a levé les yeux. Ils se sont vus de loin. Rebecca est descendue du chameau. Elle a commencé à courir. Et Isaac a commencé à courir.
ils ont fait leur embrassement dans le champ. Où est-ce que nous rencontrerons les Seigneurs? Pas au ciel, sur les nuées, dans les airs. Ils descendront, nous nous monterons, nous nous retrouverons là-bas. Et lui, maintenant, nous amènera dans la maison de Dieu. Mais quand il arrivera, il dira: levez-vous, portez éternel. Et la voix dira: mais qui est là? Le roi puissant de la bataille a vaincu. Il a amené captif la captivité. Et les portes éternelles s'élèveront. Parce que les morts seront de ressuscités. Et nous les vivons. Nous serons changés. Et ensemble, nous sommes entrerons. Et les anges chanteront. Oh frère, ça c'est un cadeau que Dieu nous donne. L'épouse qui entrera, c'est celle qui a été rachetée. Parce que quand nous prenons cette expression, Église, nous commençons dans Genèse chapitre 12. C'est parce que le temps est fini, on en parlera dimanche prochain. Là, il est dit: rassemble l'Église, l'Ecclésia. Sangisha Ecclésia. Toute l'Ecclésia des enfants d'Israël. L'exode devrait avoir lieu. Mais cela était possible par le sang. L'agneau était immolé. Et tous étaient dans les maisons sous le sang. Alors l'exode pouvait avoir lieu. Dieu montrait par là que l'Église du Nouveau Testament, premièrement, elle devrait être rachetée par le prix du sang de l'agneau à Golgotha. Le sang a été versé. Maintenant l'Église pouvait apparaître et elle pouvait commencer sa marche. Mais bien aimé, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Résumons-nous pour aujourd'hui. Le Seigneur dans sa grâce a conduit nos pas là où nous pouvons prendre les informations pour notre préparation. Amen. Parce qu'Eliezer a donné à Rebecca et les anneaux et les biens, tout ce qui était nécessaire. Et Rebecca était dans la gestion. Par le glorieux Saint-Esprit, tout ce qui est nécessaire pour notre voyage nous est donné. Premièrement, acceptez votre salut. Acceptez votre pardon. Acceptez votre élection. Vous êtes destiné à appartenir à Jésus-Christ. Amen. Une fille qui a déjà la promesse, elle ne s'amuse pas. Sa vie, sa ligne sur la parole de promesse, elle fera attention à tout. Même ses relations avec les voisins, les camarades à l'école, même sur Facebook. Parce que le fiancé peut tomber dessus. Il faut qu'elle soit trouvée pure. Et l'église de Jésus-Christ, elle fait attention à chaque fois. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des reproches à nous. Il n'y aura pas de reproches. Comme dans l'agneau, il n'y avait pas de reproches. Et l'agneau travaille par la puissance de sa parole, par la puissance de son sang, par la puissance de son esprit. Au milieu de l'église rachetée, pas de reproches. Premièrement, au sujet de la parole, pure parole. Maintenant que cette parole, et que nous puissions être aussi purs, droit de cœur, droit d'esprit, que cela influence notre quotidien. Que le Dieu d'Abraham dise que déjà vous bénisse tous. Amen. Dans le glorieux nom de Jésus. Ne ratez pas dimanche. Dieu voulant, nous allons encore nous approfondir au sujet de l'Église. Nous allons bientôt être enlevés. Nous sommes à la fin de la route. Dieu nous a fait cadeau dans ce temps corrompu d'appartenir à la troupeau de vainqueurs. Nous sommes le troupeau de vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs.
Et notre victoire, c'est à cause du Saint-Esprit. Et lui-même, comme c'est écrit dans Ésaïe 49, repris dans Matthieu 12, il ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il fasse prier le triomphe. La justice, comme il a promis de manifester la victoire, que la victoire de Golgotha se manifeste sous chaque vie, qu'elle se manifeste dans chaque couple, qu'elle se manifeste dans chaque maison. Satan est vaincu, la désolation chassée, le trouble enterré. Vivez en paix. Jésus a fait les promesses. La parole de Dieu est puissante pour nous transformer et vous amener dans la gloire. Il vous bénisse tous dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mettons-nous debout. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Qui a fait pour nous de grandes choses. Encore ce soir, sa parole est d'une clarté formidable. Tous les desseins du salut de Dieu étaient déjà dessinés dans l'Ancien Testament par les types, que ce soit en Adam, que ce soit dans Isaac, que ce soit dans Enoch, que ce soit dans Abel, que ce soit dans les prophètes. C'était tout un message que le Seigneur nous a donné. Et aujourd'hui, nous voyons leur accomplissement. Que Dieu soit loué. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Qu'on nous entende ce cœur. Pendant que nous méditons la parole, ne la rejette pas. Accepte-la dans le cœur. Et elle agira en vous. Il a une mission dans ton âme. Ce n'est pas pour te laisser stérile ou oisif, mais que tu puisses produire le fruit que Dieu attendait dans sa parole. Pour que nous puissions être rachetés gratuitement au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par son sang qui a coulé à Golgotha,
Nous te prions, Seigneur, que la plénitude de la vie qui était dans ce sang-là, ce sang qui est encore sur l'autel de Dieu et qui parle mieux que celui de la voix d'appel, que cette plénitude de vie remplisse chaque personne ici dans cette salle, que dans tous ceux qui ont cru dans ta parole, que ta parole puisse agir, qu'on ne laisse personne au milieu de nous stériles ni oisifs, mais la vertu des promesses manifeste une réelle vie dans chacun de nous. Nous te remercions, grand Dieu, parce que tu as conduit nos cœurs, tu as conduit nos pas jusque là où ta parole est proclamée, là où tu manifestes, tu révèles ta présence, là où tu confirmes ta parole. Alors, grand Dieu, guéris-nous de toute infirmité, que les maladies soient chassées dans le puissant nom de Jésus-Christ. Accorde à chacun le discernement des choses le meilleur. Nous ne voulons pas être arrivés en retard, mais nous voulons être prêts pour le grand jour du retour de Jésus. Oh Seigneur, à cause de la puissance de ton sang, à cause de la puissance de ta parole, à cause de la puissance de ton esprit, rends notre beauté parfaite. Amen. Sans tâche ni ride. Et que Seigneur, qu'aucun de nous n'accepte une semence étrangère. Nous voulons demeurer purs et non pas des vierges folles, mais être parmi les vierges sages qui sont illuminées, éclairées, qui marchent avec l'esprit, pas par pas. Puisse ta parole devenir une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et que notre lumière va toujours croissante jusqu'au jour où tu reviendras. Bénis les hommes et les femmes, bénis les personnes vivant seules, bénis les veuves et les orphelins, bénis les célibataires, bénis les mariés, bénis les étudiants, bénis les élèves, bénis ceux qui ont du travail, bénis ceux qui sont au chômage. Viens à leur secours, Seigneur. Tu as fait cette promesse. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Mais je serai avec vous jusqu'à la consommation de temps. Seigneur, nous ne pouvons tenir à quoi que ce soit dans ce monde. Les promesses des hommes sont vaines. Mais tes paroles, tes promesses à toi sont sûres. Elles sont oui et amen. Nous voulons nous reposer sur tes paroles. Merci de ce que tu nous as donné tes paroles. Merci de ce que tu nous as révélées. Bénis l'assemblée d'Orléans, l'église de premier-né en fait ici, une partie du corps de Jésus-Christ. Place chacun de nous à son endroit convenant. Reçois de nous ce qui te revient de plein droit. Seigneur, merci. Merci pour tout. Dans le saint nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. 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 Encore une fois, que le Seigneur Amen. Nous élevons nos voix, remerciant Dieu tous. Remerciant tous les Seigneurs. Oh, grand Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole bénie. Tes paroles et tes passages. Oh, Dieu Tout-Puissant. À quoi pouvions-nous nous accrocher dans ce monde qui se meurt? Merci pour toutes tes certitudes. Mais ta parole seule est certaine. Merci. Nous te remercions de ce que les hommes et les femmes dans ce coin de la terre
pour accepter les promesses de ce jour. Merci. Puisse Seigneur, oh Dieu, exaucer le vœu de leur cœur. Merci Seigneur. Et accorder à chacun. Alléluia. Des expériences comme les chrétiens d'autrefois. Merci Seigneur. Et tous, nous voulons nous consacrer à toi. Merci notre Dans une vie d'abnégation totale à ta cause. Alléluia. Accorde-le-nous, grand Dieu. Merci. Et confirme ta Merci parole. Seigneur. Merci. Merci de ce que nos pas ont foulé le sol des promesses. Alléluia. Nous chérissons chaque parole Merci. De l'Écriture. Et nous nous réjouissons de la révélation que l'Esprit nous donne. Accorde cela Merci. Que ton bras étendu nous révèle, Seigneur, de ta parole. Merci. Et que tes paroles deviennent l'Esprit et vie à nous. Pardonne-nous, Seigneur, de notre négligence à quoi que ce soit. Oui. Mais nous voulons nous donner entièrement à ta cause. Merci. À cause de la merveilleuse promesse, nous voulons nous conduire réellement comme des anges. Regardons à toi. Tu as fait les promesses. Merci. Tu ne décevras jamais. Mais tu seras avec nous et tu confirmeras chacune de tes paroles. Merci, grand Dieu. Merci, Seigneur. Louez en tes yeux pour ces de ce qu'il a exaucé une de ses prières. Alors nous louons Dieu parce qu'il a exaucé notre sœur. Et l'église dit Amen. Il y a une autre action de grâce. C'est la sœur Loudis. C'est qui? Moi si Loudis. La Dus. Ah, je sais. Moi si la Dus, ma mère, de vos papi. Ah, ok, c'est notre sœur. Le Seigneur a écouté notre prière. Le Seigneur a manifesté sa grâce envers notre sœur. La maman de notre frère papi. La sœur Ladis. Ladis. Un frère papi, c'est. Comment on prononce Ladis. Ladis. Voilà. Le frère de la